Sylvain Chavanel est en tête de ce Tour des Flandres. Mais il reste 37 km et derrière lui, eh bien, il y a cet homme, Cancellara, qui était donné comme le grandissime favori, qui a lâché tous ses concurrents il y a quelques instants dans l'ascension du modeste, entre guillemets, Lebergue, l'un de ces 18 monts que l'on retrouve sur ce Tour de Flandre. On est revenu en dessous de la minute, malheureusement pour l'équipe BMC. Je pense que certains équipiers vont subir les pentes du Ten Bosch, où se trouvent actuellement Fabian Cancellara et Sylvain Chavanel. La difficulté évidemment pour Sylvain Chavanel, ça va être de ne pas laisser le moindre mètre d'écart avec Cancellara. Scénario incroyable, on ne devrait pas miser sur ça, il y a 3 minutes à peine. Et allez, pourtant Philippe Gilbert ramène le peloton sur les traces de Cancellara. Avec Nick Nuyens, on voit Sylvain Chavanel qui s'accroche toujours. Tom Bonnen est là, Alessandro Balan, Björn Lekemans. Derrière, on retrouve Juan Antonio Flecha Langeveld. Est-ce que Cancellara s'est relevé? C'est pas possible, je n'imagine pas ce scénario. Il en remet une. Il en remet une et regardez, Sylvain Chavanel est très bien. Oh là là, il en remet une. Fabian Cancellara qui se... Il n'a pas besoin de se redresser, même pas sur les pédales. Chavanel qui s'accroche. Ah, il s'accroche, Sylvain Chavanel. Ah mais il est très fort, hein, Sylvain Chavanel. Cancellara n'arrive pas à le lâcher. Philippe Gilbert va rentrer. On retrouve Lekemans, Alessandro Balan, leader de l'équipe BMC. Allez, il faut s'accrocher, c'est le dernier pour monter sur la chapelle. Le dernier petit coup de cul. On voit Nick Nuyens également, Fletcha, Tom Bonnens, avec également Staff Scherlings, ici de l'équipe Véranda Willems. Et tout le monde, tous ces garçons tentent de s'accrocher évidemment, ne pas perdre trop de temps sur Fabian Cancellara. Sur l'attaque de Fabian Cancellara sur la droite de la route et Sylvain Chavanel encore une fois va se sacrifier. Est-ce qu'il est capable? Il faut rester dans la roue. Nick Nuyens également est en train d'exploser. Nick Nuyens. À 4 km, Fabian Cancellara qui tente encore quelque chose. Et il compte évidemment sur la fatigue désormais. On a déjà fait plus de 250 km dans cette classique, la deuxième de la saison. On a récupéré l'image avec toujours Cancellara aux avant-postes et avec Tom Bonnen qui fait l'effort pour revenir de l'arrière. Mais il va avoir perdu beaucoup d'énergie probablement. Cancellara qui lance de loin. C'est parti pour Fabian Cancellara. Sylvain Chavanel qui a du mal avec Nick Nuyens qui tente de prendre la roue du Suisse. Mais le Suisse est surpuissant. Non, allez, il doit se rasseoir. Et Nick Nuyens est en train d'aller chercher une victoire peut-être sur ce tour. Allez, Sylvain, allez, Sylvain Chavanel coincé contre le ou bien allez, oh. Finalement, Nick Nuyens qui s'impose. La victoire du Belge qui s'était imposé dans, à travers la Belgique.